à toutes et tous les amis, c'est Inario et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play commenté sur Splatoon 2 en mode héroïque. Cet épisode est tourné à la suite du précédent, dans lequel on avait fait le niveau qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était le numéro 7, réseau routier avec des espèces de robots mangeurs d'encre. On avait pour une fois fait le niveau avec le lanceur normal. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle arme dans ce niveau? Je sais pas, en tout cas on est parti. Est-ce que Cartouche tu vas être généreux? Est-ce que Cartouche va être généreux? Eh bien non, Cartouche n'est pas généreux, on prend le lanceur normal. C'est pas grave, c'est une bonne arme. Elle est bonne dans tous les domaines, dans la cadence et tout ça, donc c'est cool. Donc bref, on est parti dans ce nouveau niveau. Comme d'habitude, on ne dérange pas la règle de récupérer le plus de collectables possible. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Déjà, le niveau a l'air assez cool graphiquement parce qu'il y a du bois par terre et c'est la première fois qu'on voit du bois par terre, donc c'est cool. Et puis on a une espèce de truc de gameplay avec ces machins là, les rouleaux trucs, donc c'est plutôt marrant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Tac, tac. Ouais, c'est marrant, le petit bruit que ça fait en plus. Alors les octalignes, vous allez mourir. Voilà, la petite caisse tu la prends. Tac, qu'est-ce que c'est? Ouf. J'ai cru que c'était déjà un collectable, je me suis dit, mais attendez, on est trop chaud. Non, c'est juste un truc pour avoir des autres poissons. Tac, nickel. Oh, la caisse. Tac, une armure, ça c'est cool. On remonte. Voilà. On fait gaffe. Non, mais sérieux, lui? Comment il marche Théma bon en plein dans la goule. Tiens, prends ça. Casse-moi les trucs. Il reste comme ça. Voilà. C'est bizarre, pourquoi il revenait, lui? Y a pas une caisse. Aucune caisse. Ok. Oh oui, ça les tue, ça, c'est marrant. Tiens, mourrez. Vas-y, voilà. Alors, comment on fait pour aller voir ces caisses-là? Je sais pas. On va voir ça. Tac. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est bon à savoir. Même en vertical, donc ça, c'est cool. Ok. Ou toi. Ou toi, tu meurs. Reste comme ça. On va descendre par là. Est-ce qu'on a un truc? On a le sardinium. Ok, ça déjà c'est fait, donc c'est une bonne chose. Il nous manque plus que le document. Et le poisson charge. Ta ligne tumeur. On continue la petite ascension. Tac. Tac, y'a pas genre un secret? Non. Ok, point de contrôle. Oh, va jusqu'au bout, toi. Voilà. Attention à pas que ça revienne pour nous tuer. Comme ça, justement. Mourez, les gars. Voilà. On détruit les caisses et on est parti. Zone suivante. Caisse rouge, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai des autres poissons. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore des trucs comme ça. Oh. Oh. Oh non! Mais pourquoi ça m'a rejeté comme ça? On a peut-être commencé déjà par tuer les octalignes. Mourez! Ça t'a pas tué? Meurs! Voilà. On recommence. Ça fait mal, ça. Ça c'est chiant. Ouh, ça va long celui-là. Ça pue le secret. Vas-y. Essaye de reprendre ton encre pour aller plus vite. Parce que là vous voyez, quand on se fait toucher, mon armure devient rouge. Et donc du coup bah on a le document. Voilà. J'avais rien d'autre à dire sur cette histoire d'armure qui devient rouge. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça réduit nos mouvements. Donc ça c'est chiant. Bref, on continue. Sachant qu'on a tous les documents, on n'a plus grande crainte. C'est bientôt la fin du niveau. Il a l'air d'être plutôt rapide face à ce qu'on a eu par exemple la dernière fois. Bon bah pourquoi pas, hein. Ça varie les choses. En tout cas, nous, on continue de monter là-dessus. Tac. Oh oui, ça va tous les tuer là. J'aime quand ça les tue tous. Tac, voilà. Tac. Oh, oh ça, je crois qu'il y avait dans le 1 ça. Je crois qu'il y avait dans le 1. C'est pas genre un bazooka. Oh oui, c'est cool ça. Bim. 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 Bam. Tac, tac, allez, tire-lui dessus. Tac, c'est bon, on les a tous tués. On est parti. Non, tu restes là. Ouais, reviens là. Go, avant que ça revienne. Go, avant que ça revienne. Nickel. Et voilà, le poisson charge est à nous. En 4 minutes, on saurait dire que c'était un niveau plutôt rapide. Pour une fois, ça change. Mais bon, c'est pas grave. Nous, en tout cas, on a eu tous les collectables, dont le document. C'est cool. Allez, donne-moi mon truc. Alors,
on a des petites images qui disent, dans le cadre du tournoi de cartes nationales qui a eu lieu une fois par an à Chromapolis, un nouveau participant du nom de GG Latineux s'est emparé de la première place en ne laissant pas la moindre chance à ses adversaires. Oui, j'ai fait une petite pause où j'en ai profité pour me couper les cheveux en attendant et je suis revenu, j'ai fait le montage de cette vidéo que vous voyez en ce moment et j'ai remarqué qu'en fait elle est peut-être un petit peu trop courte, donc je vais vous faire un petit bonus là où je vais vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu dans les vidéos, à savoir le document exclusif à cette zone. Parce que je vous rappelle que par exemple dans la zone précédente là, dans... comment ça s'appelle déjà, Basse Tentacule, vous vous rappelez, il y avait des ballons qu'on devait éclater et à la fin, le dernier ballon nous donnait un document où on a eu un espèce de pompon, je sais pas comment on peut appeler ça. Regardez ça. Dans les documents, à la fin, on avait ceci. Le tampon que vous voyez à droite. Sauf que j'ai eu un deuxième tampon, comme vous voyez. Il y a eu un autre tampon. Et je vais vous montrer comment on l'a. C'est tout simple. Il suffit de casser tous ces ballons qu'on retrouve un petit peu par ici. Donc, on a les ballons là, là. Tac. Oui, parce que en même temps, mes vidéos, c'est un petit peu des vidéos solus pour ceux qui ont le jeu et qui ne savent pas où trouver les objets secrets. Et voici où est le document secret. Il est juste ici. Et quand vous l'avez, vous tombez sur ce document. Tac. Qui sont des documents, je ne sais pas à quoi ils servent pour l'instant. Mais voilà, on a des petits tampons qui disent bienvenue dans l'Octo Canyon, le paradis des amateurs de ravins. Ne répartez pas sur vos autocollants souvenirs. Voilà, c'est des petits autocollants souvenirs, c'est des petits bonus. C'était juste parce que la vidéo était un petit poil trop courte par rapport à celle qu'on a eu juste avant. Donc j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. La prochaine fois, on fera le niveau Aller Salé qui se trouve ici, là, le numéro 9, tout là-haut. Bref, restez au rendez-vous parce qu'il a l'air d'être plutôt cool. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine tout le monde, salut! Allez bien ma coupe de cheveux quand même!